Michonne. Initié par mon père, 8 tekis pour les 8 ans de la disparition de maître Henri Play. Et fait, j'espère que toi aussi tu vas le faire. Ce mouvement, c'est pas pour montrer comment tu fais Naianchi ou Teki Shodan. C'est simplement pour montrer de la gratitude à Henri Play, Sensei. Car tous les pratiquants doivent quelque chose à Henri Play, Sensei. Gardez bien ça en tête. C'est le pionnier du karaté en France et en Europe. Mais c'est le pionnier, indirectement ou directement, de nombreuses disciplines martiales, donc c'est important de ne pas l'oublier. Car il a apporté, et il apporte encore de nos jours, énormément au monde des arts martiaux. J'espère que tu vas le faire. L'importance n'est pas l'intensité physique et technique que tu vas mettre dedans. C'est l'intensité émotionnelle. Avec le kokoro, et t'y vas. En tout cas, voilà, j'espère que tu vas faire ce mouvement, que tu le fasses. En vidéo, en parenthèse médiatisée ou non, mais fais-le avec une réelle et sincère pensée pour le mettre en replay sensei, avec de la gratitude aussi. Donc voilà, cette vidéo est dédiée à Henri Play Sensei et à sa famille.